Une fois n'est pas coutume, la jeunesse impaire de la commune 2 a procédé à une rupture collective des jeunes qui a réuni tous les jeunes du parti et d'autres mouvements et associations qui œuvrent pour le changement et la réussite de la transition. Le président de la jeunesse de la commune 2 explique les motifs de cette cérémonie. Nous a motivé à organiser cette cérémonie. C'est une coutume au MPR. Chaque année, nous organisons des rituels de jeunes collectifs dans des différentes communes. Aujourd'hui, nous sommes en commune 2. La semaine surpassée, nous étions à Kalabankoura, à Kalabankoro. La semaine qui a suivi, nous avons été en commune 6. Et cette semaine, nous sommes en commune 2. Et qui connaît l'histoire du MPR, nous savons tous que le berceau du MPR, c'est la commune 2. Donc nous sommes très heureux aujourd'hui d'accueillir les fils, les filles du MPR chez nous. Vraiment, nous en sommes très heureux. Il faut un sursaut national et international afin que le Mali puisse sortir de cette crise qui a tant duré, au dire du président national de la jeunesse du parti. L'appel que j'ai à lancer, c'est de faire un sursaut national. Un sursaut national et même international, de toutes les couches, que ce soit politique, sociale, non politique, et de se réunir autour d'un soutien pour les autorités de la transition. Aujourd'hui, nous sommes là. On doit se donner la main, on doit laisser nos égouts pour soutenir les autorités de la transition. Quant au président de la section, c'est un sentiment de fierté de voir les jeunes entreprendre une telle initiative et surtout au moment où le pays traverse les moments les plus difficiles de son histoire. C'est vraiment un sentiment de fierté. C'est une tradition qui a commencé dans les partis. Ça fait un bout de temps. Je pense que quand on instaure quelque chose de ce genre, il faut le faire chaque fois et essayer d'améliorer au fur et à mesure. Surtout, cette manifestation se fait à un moment crucial de l'histoire de notre pays. Donc nous ne pouvons qu'encourager cette rupture qui a un double sens politique et spirituel et religieux. À noter que ces actions continueront pendant tout ce mois de Ramadan dans les autres communes afin de consolider l'union du parti entre tous les militants et militantes.